Salut, c'est nous, Sophie et Alexandra. Aujourd'hui, on a une nouvelle mission. Trouver un metteur en scène pour notre projet. On pourrait pas faire des flics un peu plus modernes? Ah si, si, on peut. Objectif, trouver un metteur en scène pour notre projet. Alors, comme ça, on cherche un metteur en scène? Attends, j'ai mieux. Notre mission, si vous l'acceptez, trouver un metteur en scène. Trouver quelqu'un qui comprendra nos envies et l'identité que l'on veut donner à notre spectacle. Première étape, recueillir les informations. Procéder à un auto-interrogatoire et déterminer nos besoins. Alors moi, j'aimerais vraiment que ce spectacle soit coloré. Moi, je voudrais une forme grinçante et absurde. Et poétique. Mais aussi vraie et profonde. J'aimerais qu'on balade le spectateur d'univers en univers. Que le spectateur ressorte touché. J'aimerais des fleurs. Voire chamboulées. Beaucoup de fleurs. Il faut que ce soit sincère. Deuxième étape, déterminer des suspects. Trouver des personnalités compatibles. Je viens de faire un test ADN. Malheureusement, ça va pas le faire avec Peter Brook. De toute façon, impossible de retrouver son numéro. Troisième étape, ne pas suivre de fausses pistes. Pour éviter de tomber sur... des beaux parleurs. Paroles, 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 je vous offrirai la lune, voilà. Moi, je vois sur un plateau. Des profils pas sérieux. Excusez-moi. Pardon, je suis en retard. Des castrateurs. Donc parlez-nous un peu. Ferme ton gueule. Des égocentriques. En tant que metteur en scène, je pense être la bonne personne pour vous. Mon intérieur sera vous illuminé. Des tarés. Des pervers. Alors, parlez-nous de votre expérience professionnelle. Et choisir la bonne personne. Dreams are my reality. À faire classer. Merci. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube et YouPorn. Non, et clique ici pour connaître nos prochaines dates sur les planches. Bah vas-y, clique.